Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et le coup d'envoi a donc été donné. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je voterai pour Pep, l'un des personnages les plus colorés du football. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'embarrasse pas de détails. Mais quel joueur! Ah oui, pourquoi pas? Je pensais à un attaquant, mais ça pourrait tout aussi bien être un défenseur. Il remporte son duel. Attention avec les tacles. La faute est sifflée. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Il va peut-être falloir lui parler, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. À la prochaine faute, ce sera carton. Chelsea qui essaye de construire. Ziyech! Manqué, il faut cadrer. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça le réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Vous avez remarqué comme les latéraux montent? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. C'est osé. Le bon ballon. Il n'a pas hésité à attaquer. Oh, le bon tacle glissé. Il peut en profiter. Quel jaillissement! Il allonge vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien fait. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est sur le côté. C'est parfait, magnifique. Et il tire! Oh, l'intervention magnifique! C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Quelle passe. Et ce ballon sur l'aile. Et un bon centre dans la surface. Sergio Oliveira. Mbemba. Sergio Oliveira. Le gardien loin devant. C'est la mi-temps, les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe, ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. Et le jeu a repris ici d'ailleurs. Je suis sûr qu'on va assister. Il concède un coup franc. Allez, ça doit faire but. Allez, c'est dangereux. Super. Ça défend comme ça peut. Va-t-il en profiter? Il joue en retrait. Faut tirer là. Oh, quel arrêt! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Pep.
Et on attend toujours l'ouverture du score. Bon service dans la profondeur. Il est à distance de tir. Le bon dribble. Il peut frapper là. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Jorginho. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Sur la gauche. Ça, c'est une interception parfaite. Ça passera sur le côté. C'est bien donné. Werner! Ça rentre! Oh, il aura fallu attendre, mais ils l'ont fait! Alors, qu'avez-vous pensé de ce but? Regardez comme il utilise bien le haut de son corps. Il aurait fallu un super arrêt pour contrer celui-là. Le premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ils sont devant au score, mais il reste encore pas mal de temps dans ce match. C'est bien donné, sur le côté. Changement d'aile. La passe dans la profondeur. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. Exactement, oui. Le ballon dans la profondeur. Dans la profondeur. Il reçoit le ballon. Une occasion. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Ils obtiennent la touche. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Jorginho. Oh la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Oui, il peut frapper là. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Le gardien fait du très bon boulot là. Un but les aurait mis dans une situation très délicate. Encore quelques instants et ils pourront fêter la victoire. Le gardien dégage, loin. Qui est le premier sur ce ballon? C'est l'une de leurs dernières possibilités. Allez, c'est maintenant. Marega. Oh, attention! La faute. Bien servi. C'est joué long. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire...